Hello à tous, on commence la matinée, juste moi et Eden, enfin on commence, il est 10h. On se rend en magasin, on va à Action et Royal King jouer. Pourquoi Royal Kid? Je sais pas pourquoi. Juste Eden et moi, j'ai laissé la puce avec Anthony, j'ai tiré mon lait au cas où s'il est faim, comme ça au moins il a un bibi, il n'est pas dans la galère. Je veux trouver des gommettes pour Eden, des accessoires de pâte à modeler, enfin je veux trouver des trucs pour que vraiment on puisse de plus en plus faire différentes activités manuelles parce qu'Eden s'intéresse énormément à tout ce qui est précision. Donc du coup, maintenant qu'il s'y intéresse, moi je blinde les jeux de ce côté-là pour que vraiment on puisse développer tout ça. Parce que moi j'attends qu'il me le demande pour le faire. Voilà, et on va essayer de trouver un balai d'extérieur pour Anthony. Donc c'est pour ça que je suis d'abord arrêtée à Action et je me dis si je trouve des trucs de gommettes, tant mieux. Sinon, eh ben, on ira directement à King Jouer. Je sais que là-bas au moins je suis sûre de tout trouver, mais j'espère trouver avec un petit peu moins cher en étant à Action s'ils ont. Mais bon, s'ils ont pas, tant pis. À mon âge. Et on est juste tous les deux. Ouais! À l'entrée, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Donc j'ai trouvé un seul cahier avec des autocollants adaptés à peu près à l'âge d'Eden. Donc bon, le fait que ce soit des formes, même s'ils collent pas au bon endroit, mais voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je commande sur internet pour retrouver des stickers. J'ai trouvé ça. Alors si je vous mets dans le bon sens, c'est mieux. Un truc pour faire de la com de la pâtisserie avec pour la pâte à modeler. Et celui-là. Eden, il est tout content parce qu'il sait que c'est pour jouer à la pâte à modeler. Hein, mon cœur? Retrouve, on est sorti de table déjà depuis un petit moment. Les hommes sont en train de jouer avec les nouveaux jeux de pâte à modeler. Donc Eden. C'est pas terrible. Ah ouais? Pas top? Pas du tout. Lequel qui est vraiment pas top? Celui-là et celui-là. Ah bah, les deux quoi. Voilà. Sur quoi ils sont pas top? Ça galère? Ben. J'ai pris ça à Action donc je sais pas trop si ça. Bah ben oui, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même de la marque Playdoy donc. Mais c'est quoi la marque Playdoy? Bah, c'est une marque. C'est une marque que tu connais pas? Si, c'est quand même une bonne marque normalement. Enfin. Ah bon? Tu crois ça toi, Playdoy? Tu connais Playdoy? Oui. Demande à tes abonnés maintenant qui connaît la marque Playdoy. Bah, je pense beaucoup. En tout cas, voilà, donc il joue. Et toi, t'as fait quoi? Toi, tu fais avec le truc de. Eden, ouais. Il y arrive un peu quand même? Ouais, sur celui-là. Ouais. Il en a plein les doigts. On nettoiera ça après. Moi, je galère, je fais des allers-retours chez ma maman pour essayer de vous faire charger le vlog d'hier. Enfin, vous auriez, j'espère, logiquement vu à 17h. On va croiser les doigts, ça serait pas mal. Donc, du coup, j'ai eu le temps de rien faire et de pas trop vlogger. Mais bon, on rattrapera un peu plus tard quand la vidéo sera en ligne. Et du coup, généralement, quand j'ai des soucis, je traverse et je fais rien d'autre, quoi. Bon, après l'atelier pâte à modeler, Eden s'est bien amusé quand même avec le truc où il plie. Celui-là, il était adapté pour lui, donc c'est marqué plus de 3 ans, mais Eden y arrive facilement. Là, c'est l'heure de la sieste. Donc, on va aller changer bébé. Mon amour. T'as une tête de fatigué. Hein. Puis c'est là où il s'agitait. Viens. C'est qui va aller faire un tour de dos? Ça y est, mes deux bébés dorment puisque Lily vient de manger et je viens de remarquer que j'ai habillé tout le monde en jean aujourd'hui. Eden, vous avez vu, il a sa chemise en jean et son jean. Et Lily, elle a sa robe en jean aussi. Alors, je vais pas la réveiller pour vous montrer, mais c'est la petite que j'avais prise chez Zara. Voilà, voilà. Et même moi, j'ai un jean. C'est jean noir et gris pour tout le monde. Quoique. Non, Eden, il a du camel de survie. Mais sans le vouloir, j'ai fait un look famille. Je vais vous tourner des lookbook famille, mais un petit peu de temps encore. C'est vrai qu'on commence juste à voir le jour. Et puis, pour les face caméra, j'ai envie d'attendre d'aller au coiffeur, en fait. J'ai rendez-vous coiffeur mardi après-midi avant de reprendre les face caméra. Et même, j'ai envie d'être passée par cette case de changement que j'ai envie de faire parce que j'en ai marre de ma tête. Hein, voilà, comme beaucoup de monde, on a des périodes où on a marre de notre tête. J'ai envie de changement et à ce moment-là, je me sentirais bien de reprendre les faces caméra. Donc encore un petit peu de temps. Mais bon, mardi, ça sera vite là. Hein, mardi, ça sera vite là. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas dit coucou. Hein. Il y a des jours comme ça où on se dit on aurait mieux fait de ne pas se lever, que la journée n'existe pas. Je vais chez ma mère pour voir si le vlog a chargé. Mais de ce que je vois depuis mon portable, il n'a pas fini. C'est étonnant parce que ça fait quand même plus de 2h30 que je suis revenue chez moi. Vous devez pas bien m'entendre avec le vent. Et ça n'empêche que ça m'affiche toujours vidéo en traitement, donc c'est pas normal. Chez ma mère, normalement, le réseau va hyper vite, donc il y a des chances que je dois me retaper tout le montage. Donc si c'est ça, ça me fait bien hic. Parce que c'est quand même plus d'1 heure de taf, donc sachant qu'il est 4h.
pas respirer. En plus, il fait froid, alors je me peine pour aller dehors. Je suis rentrée, impossible de partager. Donc, j'ai abandonné chez ma mère, c'est 18h. Donc, j'avais pas resté encore des heures et des heures. À un moment, faut savoir lâcher prise. Donc, je vais quand même essayer de faire charger ce soir. Et puis, à ce moment-là, soit je vous mettrai à 7h du matin, soit je sais pas. Hop, je vais faire couler un bain. J'ai demandé à mon médecin, j'ai le droit de me prendre un bain. Donc c'est trop bien. Du coup, je vais prendre avec Eden, parce que la dernière fois, je lui ai dit, je prends un bain avec Eden. Au final, on n'est pas allé dans la baignoire. Enfin, il n'y a plus qu'il y a dans la baignoire, parce que je me suis rappelé que j'ai pas le droit. Ouais, ben. Donc du coup, je vais aller le réveiller, parce que bien sûr, c'est 18h15, il dort. Puisque monsieur, on n'arrive pas à le caler. Il ne s'endort pas avant 15h30. 15h, 15h30, forcément. Et pas aller. Donc du coup, j'ai eu des cadeaux hier pour moi aussi. Que vous verrez. En vidéo très bientôt. Hop. Et donc un truc pour le bain. Donc du coup je me suis dit que j'allais forcément l'utiliser. Hein. Faut profiter de ces cadeaux, n'est-ce pas? Je vais utiliser ça. Un galet effervescent pour le bain de macarons framboise. Alors ça je pense que ça va être génial. Et un Eden tout beau tout propre. Il a bien aimé le bain rose, ça l'a bien fait rire. Il y a Lily qui a faim, c'est pour ça qu'elle pleure. Du coup, on va manger. Elle a mangé, elle s'est endormie, elle a profité de mamie qui est arrivée pour une fois que Lily était réveillée. Hein, parce que sinon, elle a... Lily Rose adore à chaque fois que je viens. Et on fait manger Eden, parce qu'il avait faim, le pauvre. Du coup, on le fait manger avant. Donc, c'est viande et courgettes. Pour le moment, il n'y a que la viande qui a du succès. Mamie, elle distrait Eden. C'est bon la viande. Mmh. Peut-être bonne dent parce que le beefsteak faut quand même bien le mâcher. C'est de la bonne viande là qui. Après c'est nous qui allons passer à table mais bon. Le pire c'est toi, on peut passer à table aussi. On peut passer maintenant? Tu goûtes la moutarde? Ça pique hein. Et il y retourne en plus, c'est la puissance. Il aime tout ce qui est piquant. Le pauvre. On voit que ça vous fait rire. Tiens, bois un peu d'eau. Tiens, bois un peu d'eau. Mais il fait semblant, là, c'était pour faire plaisir. Oh oui, bah oui, ça pique la moutarde. Ma mère apprend à faire le sumo à Eden. T'as sumo qui. Et il le fait en plus. Il le fait bien en plus. Il cherche même. Il me tue les oreilles là. J'espère que vous avez baissé le son à ce moment-là parce que même moi il m'a tué. Même pas, elle a même pas scillé quoi. Ça se voit qu'elle est vraiment habituée à avoir le son de Eden. Oh là là. Ça s'amuse bien avec les mamies, c'est chouette ça. J'aime bien la brosse à dents. Attention, attention. Oui, vas-y, ferme la barrière, c'est important de la fermer. Très voilà. Bien. Allez, viens. Dans les bras de papa. On va brosser les chagnottes. Les chagnottes, tu connais pas? Non. Ah si, moi je on dit ça, on va brosser les chagnottes. On dit les quenottes, mais les chagnottes... Bah moi je dis les chagnottes. Chacun ses expressions, monsieur chouchou. Oh, et là c'est l'heure du coucher pour petit Eden. Et bien sûr, de la lecture du soir. Et comme il aime beaucoup en ce moment, il faut vraiment que j'en commande d'autres, mais les premières verseuses. Je m'y fais penser d'ailleurs qu'il a passé commande pour notre petit livre pour des verseuses. I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone. The walls that I built are weakest pain.